my shoes and out the door. Five, I'm alive. Six, seven, eight, feeling great. Nine, gonna shine, life is good. I'm doing fine. Ten, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening. And bonjour Carole, bonjour. Donc, tout le monde. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Recettes et astuces anti-ballonnement, simplicité, santé, bien-être ». Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à une personne qui nous regarde, qui se dit « c'est compliqué, je dois toujours aller dans des magasins que je connais pas ». Alors, la première chose, c'est de revenir sur une alimentation très basique. Hein, on n'a pas besoin d'être un top chef pour faire de la bonne cuisine. C'est vraiment de revenir sur les produits de base. Vous avez envie de manger un poisson, ben vous achetez un pavé de poisson brut, éventuellement vous mettez un peu d'épices comme ça, des fois vous ferez des trucs que vous trouverez pas bonnes, c'est pas grave, vous aurez testé, mais l'idée c'est ça, c'est on part sur des produits bruts, et après nous on les transforme en mettant un petit peu d'assaisonnement vraiment très très basique. Les crudités c'est vraiment, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile à digérer quand on ballonne, et l'autre chose ça va être la manière dont on mange, c'est-à-dire que ça va être les mélanges. Par exemple les fruits, on a l'habitude de se dire, bah tiens en dessert je vais plutôt prendre un fruit. Un fruit cru en fin de repas, c'est très compliqué à digérer, surtout si on a eu des protéines ou des céréales riches en amidon, des féculents riches en amidon au cours du repas. Donc les fruits, typiquement, le meilleur moment pour les manger, c'est soit carrément une demi-heure ou un quart d'heure, une demi-heure avant le repas, soit ça peut être carrément dire je décale d'une heure ou deux après mon repas, et ça peut être l'occasion de faire un petit goûter, une petite collation. Est-ce qu'en complément, il y a des plantes ou des huiles essentielles que tu pourrais concrètement recommander une ou deux aux personnes qui vous suivent ? Alors, attention, toutes les huiles essentielles ne sont pas à prendre oralement, hein, renseignez-vous quand même auprès d'un thérapeute, mais a priori, s'il n'y a pas de contre-indication, s'il n'y a pas d'allergie, une huile essentielle qui est intéressante, c'est l'huile essentielle de coriandre, qui est un super digestif. Quand vraiment on se sent lourd après avoir mangé, on s'est fait la galette des rois, on s'est fait le foie gras, on s'est fait tout ça, vous dites, tiens, je prends une goutte d'huile essentielle de coriandre. Normalement, ça devrait vraiment aider à digérer et éviter les ballonnements. Et puis juste une dernière plante, parce que je l'aime bien, qu'elle soit en tisane, en huile essentielle ou pas, c'est le romarin. Le romarin, c'est une plante qui pour moi est assez magique, parce que celle-là, je vous dis, vous pouvez la prendre en tisane, elle est agréable. Vous pouvez la mettre directement dans votre alimentation, elle va aider. Vous pouvez la mettre dans une huile, dans votre huile d'olive par exemple, elle va aromatiser, mais en même temps, elle va aider à la digestion. Très bien. Vous pouvez la mettre en huile essentielle, vous massez le ventre. La respirer, voilà, elle a plein de bienfaits. Sur la tisane, ce qui va être intéressant, ça va être l'amande poivrée, qui est assez digestive et qui en plus a un goût plutôt agréable en fin de repas. Il y a les graines de fenouil aussi, en tisane, qui vont être intéressantes si on aime le goût anisé. Il y aurait peut-être aussi le rythme auquel on mange, qui est intéressant. Alors oui, ça, il faut mastiquer. C'est pas tellement une question de vitesse, il y a des gens qui mâchent très très vite, et puis d'autres qui gardent pendant 2 heures dans la bouche, je pense aux enfants des fois, qui n'ont pas envie d'avaler certaines choses. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment plus de mastiquer. On a des dents, hein, on n'est pas des herbivores. On a des dents, donc on s'en servir. Des dents. Voilà, il faut s'en servir. Il faut savoir que quand on mâche, même du vide, au niveau de la bouche, on va déclencher des enzymes digestives, donc qui vont nous permettre de préparer la première phase de digestion, parce qu'on a plein d'étapes de digestion. Et donc du coup, le fait juste de mâcher même du vide, on va sécréter ces enzymes via la salive, qui vont permettre de commencer une bonne digestion. Si on avale tout sec, d'abord, on peut comprendre, je prends l'exemple de la viande parce que c'est plus compréhensible, mais un gros morceau de viande qui passe direct là, c'est évident qu'il ne va pas être digéré correctement. Si en plus, on ne l'a pas mâché, alors ça va être encore plus compliqué. Merci à toi Céline de nous avoir partagé ces astuces. Avec plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à beaucoup de personnes autour de vous. On vous dit à prochainement pour d'autres interviews. Bye bye. Au revoir. Beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want